Bon la famille, j'ai un petit message pour tous ceux qui me demandent, ceux qui me disent arrête de fumer, tout ça. Franchement, c'est gentil, je vois que vous pensez à ma santé. Mais aussi, ceux qui parlent aussi du physique et de ça, ouais, tu devrais ça, arrêter de fumer parce que sinon t'es chicot, je sais pas quoi. Franchement, est-ce que je vous ai demandé en mariage? Je vous ai pas demandé en mariage. Donc à partir de ce moment-là, je pense que pas de problème, tu vois, c'est mon physique à moi, tu vois. Et c'est pour ma femme. Si elle aime bien, ça va, tout va bien. Bon, la famille, c'est cool. J'ai votre attention. J'ai votre attention parce que, bon, on a fait un petit peu d'humour. Et là, je peux vous parler un peu plus sérieusement de l'album et d'un des morceaux de l'album. Je vous fais ça. Je fais souvent ça depuis Phénoménaux. Je vous envoie Polygame. Ensuite, j'envoie Hypocrite et à bon entendeur. Je vous fais d'abord kiffer. Ensuite, je vous envoie un message. Donc, Social. Le clip Social. Beaucoup de gens ont été choqués. Ils ont fait les vierges effarouchées. Ils ont été choqués par ce morceau, mais ils n'ont rien compris de ce morceau. Social, c'est justement un morceau sur la société actuelle. C'est justement un morceau sur la dépression que vit la société actuellement. Social, c'est un message clair qui s'adresse à tous ceux qui vivent à travers les réseaux sociaux, tous ceux qui vivent à travers le buzz, tous ceux qui vivent à travers l'image qu'ils veulent dégager d'eux, l'image positive. Toujours être au top, toujours être dans les meilleurs endroits, dans les meilleurs hôtels, les meilleurs restos, avoir la meilleure vie, les meilleurs objets, avoir que des objets, le matérialisme, le matérialisme. Je dis dedans, dans le morceau, je dis, ta vie se résume à ton compte Instagram, mais c'est pas assez. Ta vie se résume à ton compte Instagram, mais c'est pas assez pour demander la dot. Moi, personnellement, pour moi, c'est exactement l'image que j'ai aujourd'hui de tous ces gens dans cette course au buzz. Tout le monde veut avoir des K, des K, des K, des K, des M. Mais la famille, il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. Une fois que tu as le succès, une fois que tu as les millions dans ton compte, tu penses que c'est quoi? Tu penses que tu es vraiment à l'abri? Tu penses que tu es vraiment en sécurité? Tu penses que tu es vraiment bien dans ta tête? Tu penses que vraiment que les gens t'aiment vraiment pour qui tu es? Donc ouais, pour moi, il y a des gens qui vivent à travers leur compte Instagram, Snapchat et tout ça, et c'est juste malheureux. Parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont plus de vie à eux. Parce que le jour où tu essaies de récupérer ta vie, qui est ta vie, qui est la tienne, tu vois, ta vie de famille, ta vie dans la société. C'est très très compliqué de redevenir ou revenir avec les humains. C'est pas méchant, faut pas prendre ça comme un manque de respect. Les humains lambda, ça veut dire ceux qui sont pas connus et ceux qui n'ont pas de buzz et tout ça. Mais franchement, des fois, je me dis qu'ils ont une meilleure vie que nous, peut-être. Le mec, il se lève le matin ou la meuf, elle se lève le matin, il va, il dépose ses enfants à l'école, personne lui casse les couilles, personne le reconnaît. Il va faire ses courses, il est tranquille dans sa tête. Il va voir ses parents, il peut marcher avec eux, il peut aller à Walt Disney, je sais pas moi, sur la plage. Mais quand t'es artiste, quand t'es connu, quand t'as le buzz, quand t'es sur le devant de la scène, est-ce que tu as tout ça? Est-ce que t'as accès à tout ça? C'est un luxe, ça devient un luxe, tu vois? Un luxe, t'as l'oseille, t'as le succès, et t'as pas ce luxe. C'est incroyable, c'est pas fou quand même, c'est pas fou. C'est peut-être que le bonheur, il est peut-être ailleurs. Voilà, donc social, c'est une satire. C'est une satire, c'est ce qu'on appelle une satire. C'est comme ça. Je prends un sujet de société et je le traite avec humour, avec un humour un peu noir, un peu sombre, un peu acide. Vous le voyez comme vous voulez, tu vois. Mais moi, le fait de me retrouver dans des toilettes, à voir vraiment la réalité d'une nana qui ne vit que par l'apparence physique, que par la chirurgie esthétique, le maquillage et les réseaux sociaux. Pour moi, c'était une manière marrante d'aborder en fait la face cachée des gens quand ils sont avides de succès, tout simplement. Franchement, je sais même pas, je dis de la merde, mais j'espère que vous me comprenez. Bisous à tous. Oui, et le fait de me retrouver aux toilettes, c'est aussi pour dire, vous connaissez bien cette expression quand on voit une nana, elle fait trop la belle. Elle est belle, tu vois. Elle fait trop la belle et on se dit, ouais, ben, elle fait la belle, mais elle fait caca comme tout le monde. Donc, elle fait caca comme tout le monde, c'est justement cette scène.
Et puis le fait de rentrer dans son téléphone, de voir comment elle appelle les gens, de voir aussi le nombre de contacts qu'elle a aussi, c'est des choses que les mecs comme les meufs rêvent de faire, tu vois. Ils rêvent d'avoir la vérité sur la personne qu'ils ont en face. Et ils l'ont pas forcément tous les jours. Et pour moi, c'était comme ça que je voulais traiter ce titre. Et puis, voilà, il y a plein d'autres trucs à dire sur ce morceau, en fait. Je pourrais développer énormément sur chaque titre. Mais bon, faut croire que les gens, ils préfèrent quand on fait cachou-cachou. Parce que ça va pas trop loin, c'est juste pour danser, on réfléchit pas trop. Mais bon, salam à tous. En tout cas, je vous parle sans avoir coiffé mes cheveux, sans avoir avec ma tête du matin, en toute franchise, avec sincérité. Je suis content d'avoir livré cet album. Pour moi, il est très très bon. Allez le découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert. Mais sinon, croyez-moi, wallah, que vous me connaissez, je vais jamais mendier. Celui qui veut pas l'écouter, il n'écoute pas, la famille. Il n'y a rien du tout, c'est que de la musique. Moi, alhamdoulilah, tous mes objectifs ont été quasiment atteints. Je veux dire, mes objectifs personnels dans ce milieu-là, ils ont quasiment tous été atteints. Aujourd'hui, il y a chocolat, faut aller battre le record de chocolat déjà. Je parle à la conque là. Mais franchement, pour moi, la messe est dite, on va dire. C'est cool, tout est bien. Moi, je suis bien, alhamdoulilah. Pour la coupe de cheveux, la couleur, je pense qu'on a le droit, c'est de se teindre les cheveux en noir qu'il faut pas, si je me souviens des règles. Mais après, t'as vu, c'était vraiment juste pour casser un peu, tu vois, casser avec cette image que j'avais avant, de faux beau gosse ténébreux du Maghreb, méditerranéen, mes deux. Je voulais faire un petit peu scandinave. Ok? C'était juste pour changer. Faites ce que vous voulez. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens à qui ça ne plaît pas. Donc faites ce que vous voulez. Ok? Mais dites-vous juste que le monde est régi avec des règles. Faut juste savoir lesquelles. Les bonnes règles à suivre. Moi, j'ai mon lot de péchés. J'ai mon lot de questions que je me pose à moi-même. J'ai mon lot de réponses que j'essaie de m'apporter. Ça, c'est perso. C'est mon combat pour moi. Faites votre combat pour vous. Dédicace à Abder Hamoussi qui est incarcéré. Ça, c'est un message que je viens de recevoir, donc je réponds tout de suite. Dédicace à tous les frérots enfermés, tous les frérots incarcérés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, qui écoutent Miel, qui écoutent des morceaux d'amour, des chansons comme La Belle Française, des chansons comme Sarcelles. Merci à vous, la famille, merci de votre soutien. Force à vous. Force à vous, la sortie, c'est sûr, Inch'Allah. Vous inquiétez même pas pour ça. Vous inquiétez même pas pour ça. Force. Aussi, je voulais remercier. Aussi, je voulais remercier tous les gens tous ceux qui ont participé à cet album, tous les featuring, vraiment. Je parle de Huss l'Enfoiré qui est numéro 1 à l'heure actuelle, il est en train de tout péter. Je vous l'avais dit, ça c'est mon gars, c'est sûr et certain. Sur la grosse moula cet été, tout le monde va danser sur Huss l'Enfoiré. Ensuite, Kobalade, mon ref. Il a eu une petite altercation sur Twitter avec un jeune. Au lieu de répondre au jeune directement, il a répondu à tout un pays. Il a parlé de tout un pays. C'est vrai que même moi, ça m'a pas plu, mais c'est le petit frérot. Je sais que c'est pas fait exprès. Je sais qu'il s'est expliqué juste après. Faut vraiment passer au-delà de ça et donner la chance aux gens. C'est pas forcément, tu vois, il a pas forcément fait ça vraiment pour blesser tout un pays. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont insulté le Maroc de manière implicite et vous ne l'avez pas vu ou alors vous avez fait semblant de ne pas le voir. Je sais que beaucoup ont été choqués par ses propos, mais vraiment, vraiment, pour moi, il a moins de la vingtaine, c'est des erreurs qu'on fait, tu vois. Même moi, j'ai fait des conneries sur les réseaux sociaux, même moi, je parle énervé, des fois le matin, je n'ai pas bedave, je me lève, j'envoie des trucs de ouf. Je me dis, qu'est-ce que tu as fait le soir, tu vois, une fois que je suis un peu plus calme et que le THC a fait son effet. Mais bon, voilà la famille. Il y a des choses plus graves. Vraiment, je pense qu'il s'est expliqué, excusé, il faut passer à autre chose. Et merci à tous les autres aussi qui ont participé à l'album. Je pense à Landy, je pense à Iman Sarhani, je pense à Karol G, je pense à Mister Easy, je pense à Hamidou, je pense à Mizi. J'espère que j'oublie personne. Putain, Eva, la petite sœur. Voilà, merci à tous. Merci vraiment, merci, merci.
Merci parce que cet album est complet grâce à vous aussi. Merci. Ça me tenait à cœur. Je ferai plus souvent des vidéos d'explications comme ça. Parce que vu qu'il n'y a pas trop de, il n'y a pas trop d'interviews, pas trop de trucs comme ça, j'expliquerai moi-même. Comme ça, c'est du direct. De vous à moi et de moi à vous. Tout simplement, sans intermédiaire, sans changer le titre, sans choisir que ce qu'on veut. Moi, je vais vous parler de ce que moi, je veux vous parler, tu vois? Vu que c'est mon compte. C'est mon snap, merde. Je préfère cette manière, c'est plus direct et c'est plus sincère. Franchement, merci de m'avoir écouté. Ça va être long de tout retenir. Mais en tout cas, s'il y en a qui se posaient des questions, voilà, j'espère qu'il y a des réponses là-dedans, dans ces vidéos. En tout cas, moi, je vais aller continuer le travail parce que là, je bosse très, 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 très dur. Très, très dur. Bisous à tous. Gotta say, the light is coming to give back everything the darkness stole. She don't get away, I need her.